Yep tout le monde, c'est Kalizorix TV, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur The Squarry, voilà pour la suite du Let's Play, surtout les amis pour la suite de l'histoire. Ancien épisode, on a très bien avancé dans l'histoire, c'est un épisode, ça s'est plutôt bien passé, il y a eu pas mal d'actions. Encore une fois, je sais pas du tout qu'est-ce qui nous attend dans cet épisode, mais on va découvrir tout ça ensemble les amis. Alors du coup, on s'est arrêté. Au chapitre 6 les amis, on est parti, let's go. Petite cinématique, voilà, comme à chaque chapitre. Hein. Bois des Hackettes. Prière du soir, chapitre 6. Emma, c'est toi ? Ok les amis, on est parti. On est avec Jacob. Avec le petit Jacob, voilà, il a encore du sang sur le visage. On va découvrir tout ça ensemble les amis. J'espère voilà que c'est un épisode qui va bien se passer. Parce que plus qu'on avance dans l'histoire, plus qu'il y a de l'action, plus que c'est compliqué. Les prises de décision entre guillemets, ça veut dire les choix qu'on va faire, c'est quand même très important. Donc on va quand même faire très attention à ça. Oh, faut mieux pas tomber. Ok, ça veut tout dire ça. Donc voilà, on va faire très attention aux choix qu'on va prendre, les amis. Ça, c'est mauvais signe. Putain de merde. Un truc là-dessus. Ok, apparemment, une carte mémoire. On verra ce qui s'y cache dans la carte mémoire, mais s'il y a une carte mémoire, les amis, c'est pas pour rien. C'est des indices, tout ça. Hein. Alors, je sais pas du tout où est-ce que je vais, mais on y va, on y va. Mais attendez, on est où Emma, elle est passée là? Rappelez-vous dans les anciens épisodes. Ça me dit quelque chose ici. Alors peut-être que je me trompe, mais ça me dit quelque chose quand même. Merde. Oh là, tu m'as fait peur. Jacob. Tu vas bien? Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, j'en sais rien, d'accord? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais, moi aussi, mais clairement, c'était pas un ours. Quoi? Qui? Quand? Pourquoi? Pardon, je suis juste...
vite fait. Parce que la bête qui m'a attaqué, on aurait dit... Quoi? On aurait dit quoi, Emma? Comme un truc de film d'horreur. Ok, Bon ben, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre, non, pas vrai? Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours. Bon, d'accord, d'accord. Et maintenant, on a ces putains de chasseurs qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça. C'est eux qui m'ont fait ça. Ça fait beaucoup de sang. Oui, mais c'est pas le mien. Faut que je te dise un truc. Tu refoules. D'accord. Ok, il faut qu'on sorte de cette forêt. Ouais, sans déconner, Sherlock. Tu sais, Jacob, t'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence. Hey, j'essaie juste de nous garder en vie. Je me débrouillais pas si mal toute seule. Quoi? J'ai pas besoin que tu viennes me sauver. Je vais pas subitement tomber amoureuse de toi parce que tu joues au chevalier blanc. Tu sais, je serais même pas étonnée que ce soit toi qui ait tout organisé. Oh putain, quoi? Chut. Waouh. J'avais vu les pièges, moi, mais Jacob apparemment non. Elle est avec ses chasseurs là? Je crois pas. On doit faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est morte. Je veux dire, pour le corps. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. Je croyais aussi. Mais merde. Pauvre Kaylee. Nick! Tu sens trop bon.
tuer Kaylee Hackett. On devrait appeler quelqu'un ou... Oh, merde, Chris! Comment on va lui dire? Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Hé hey! Viens là. Oh, Nick, arrête ça! Oh, arrête! Attention, Nicky, arrête! Nick. Ok, on l'emmène dans le pool house, faut qu'il sèche. Abby. Repose-toi. Merde, je suis désolé. De bouger comme ça! C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, hey, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut. J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben dis donc, il y a de l'action les amis, il y a de l'action. Alors on va essayer de trouver quelque chose pour Nick. Car Abby, elle y tient son Nick. Elle est folle amoureuse de lui. Oula. Cet endroit était complètement différent il y a 12 heures. J'adore ce jeu. Honnêtement, les amis, j'adore ce jeu. Il est vraiment génial. L'histoire, je la trouve vraiment incroyable. En tout cas, moi, pour ma part, je suis voilà, vraiment plongé en plein dedans. C'est, j'adore. Bon, espérons que Jacob, ça va aller, espérons. Mais j'avais bien vu les pièges au sol, hein. Je les avais très bien vus. On pouvait pas esquiver les pièges, c'est vraiment fait partie du scénario. Je tiens quand même à le souligner, les amis. Je me demande où est Caleb. Ok, indice. Des petites photos, d'accord. Ouais, bon là apparemment c'est des toilettes. Rien de très très important à vrai dire. Là, c'est mieux. Hey.
Ouais, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau? Ouais, on aurait dit un poisson, mais hors de l'eau. Non? Ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies, au chalet. C'est-à-dire? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures, de griffures ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. La rage? Non, il bave pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... à mon chat dans la baignoire. Ouais. Abby? Oui? Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que je te plais? Nick. Dis-moi. Allez, réponds. J'ai passé des super moments avec toi cet été. C'est vraiment... C'est vraiment... quoi? C'est une réponse pour rien dire. Abby. Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby? Nick, mais si, je t'aime bien. Non, c'est faux, tu m'aimes pas du tout. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Merde, je me suis encore fait avoir. Quoi? T'es pas une lumière, avoue. Pauvre conne d'Abby. Arrête. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Oh, oh, Abby. Abby, est-ce que ça va? Oh putain. Wow. On va pas tirer les amis. Ouf. Waouh! C'est un truc de fou! On a perdu une vie! Non, les amis! On a perdu une vie! Nick a tué Abby. Bon, on a eu un succès. Waouh! Les amis, il fallait tirer.
Voilà, c'est ce que je disais hein, dans le début de l'épisode. Il faut, voilà, faut. Bah, encore une fois, voilà, c'est pas un jeu que je connais, donc c'est normal qu'on perde des vies. Tout le monde en perd. C'est tout, voilà, c'est totalement normal en soi. Mais waouh, là, c'est tendu, les amis, parce que je sais pas si, admettons, on perd toutes les vies, qu'il faut recommencer le jeu de A à Z. Je sais pas. C'est tendu là. Parce que chapitre 6, il nous reste une vie. Waouh. C'est tendu, les amis. Bon, du coup, on va revoir la cinématique, sauf qu'il faudra tirer, les amis. Si je comprends bien. Abby, Abby, est-ce que ça va? Oh putain. J'aurais dû tirer. Ouais. C'est pas grave, les amis. Reste où tu es, Nick. Bon, au moins, on aura vu les deux... les deux phases. On va lui tirer en pleine tête. Il est pas mort ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est quoi cet épisode ? Feu de camp de Hackett Squarry. J'étais monitrice dans une colo hors saison, à traîner près d'un feu de camp, et qui se mettait à pleuvoir, et qu'il y avait des monstres. Moi, j'irais au chalet. Ok, en tout cas, les amis, sacré épisode. Waouh. Bon bah du coup Nick n'est plus du tout Nick hein, voilà comme vous l'avez vu les amis. Bon, j'ai pas voulu tirer, je me suis dit bon peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais malheureusement non. Et encore les histoires de Ryan. Je savais pas que les gamins avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteurs. Lettre d'un enfant à ses parents. D'accord, un petit indice encore une fois les amis. Waouh, il y a de l'action entre Nick et le pauvre Jacob. Waouh, c'est tendu les amis. Et à la base voilà c'était... Oula, qu'est-ce que c'est ça encore? Faut que je parte ici. Oui oui, il vaut mieux que tu partes. Voilà, il faut partir là, là c'est pas du tout bon là. C'est clair qu'à la base, c'était... Voilà, on devait se faire aller au feu de camp de Hackett Squarry. Ça devrait, voilà, être des petites vacances. Et au final, les amis, ça s'est très, très mal passé.
On va regarder nos arrières, Kim. Non, ça va. Ouh, j'aime pas ça du tout, les amis. Rappelez-vous, il nous reste une vie. Et après, si on la perd, je sais pas s'il faut recommencer tout de A à Z ou pas, les amis. C'est un peu stressant, mais à la fois, c'est excellent. Ok, bon, on y va, les amis. J'ai l'impression qu'Emma prend vraiment tout son temps. Pas de souci. C'est pas comme si on est tout seul. Pas de souci, Emma. Pas de souci. Ah ah. Les amis, où est-ce qu'on va? En face ou à gauche? Je sais pas trop. J'ai envie d'aller à gauche en fait. C'est vachement plus compliqué de retrouver son chemin la nuit. Non, je me suis loupé. Oh non, c'est la première fois que je me loupe. Waouh, ok. C'est la première fois que je loupe un QTE, les amis. Bah voilà, chapitre 6, si je dis pas de bêtises. Premier QTE raté. Bon, ça va, ça n'a pas eu d'impact. Ça va, heureusement. J'ai appuyé au fait un peu trop tard. Ouais, il m'a fait stresser. Non, fais pas ça. S'il te plaît, c'est que tu sais ce qui se passera. J'ai encore jamais fait ça, papa. J'ai peur dans ce que je vais faire, mais on va pas fuir. Surtout pas, sinon on va se faire griller, je pense, là. Oh non, je vais pas perdre une vie. Oh non. Allez, Emma. Bien joué, ça, Emma. Impeccable. J'ai eu peur, là. Abby ?
Ça me paraît trop beau. Que la voiture elle marche. Ça me paraît trop beau. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendue. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi, si. Non. Non. C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. Oh putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Qui est là? J'ai besoin d'aide. Pitié. Vous êtes qui? Je m'appelle Laura Tierney. Et? Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Ouais, il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai tué personne. Oh merde, non. Laura Kearney, t'es Laura Kearney? Oui. T'étais censée travailler, t'étais censée aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà? Max. Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Ok. Je vais ouvrir la porte. Doucement. Les mains en l'air, ok? Ok. Comme nous nous retrouvons, rien que vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé? Avez-vous bien cherché? Ces cartes ne sont pas que des babioles, vous devriez l'avoir compris. Elles peuvent vous aider. Je peux vous aider. Bien, allez-y, hop hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? Ouais. Oui, non, voilà. Malheureusement, on n'a pas trouvé de carte, les amis. Pourtant, on a un petit peu fouillé. Mais chapitre 7. Et on verra tout ça, les amis, dans le prochain épisode, encore une fois. Voilà, on a eu un petit succès. Vous avez terminé le chapitre 6. Ça fait plutôt plaisir. Bon, en tout cas, les amis... Sacré épisode, malheureusement on a perdu une vie, Jacob a pris très cher, Nick, ben c'est plus Nick, Lut il a perdu son bras, c'est un truc de fou là clairement les amis, ben il a pas perdu son bras, il a perdu sa main, c'est un truc de fou, c'est chaque épisode c'est un vrai carnage, j'ai envie de dire, voilà c'est un carnage, il nous reste une vie, il va falloir prendre les bonnes décisions les amis. Et puis ça devrait bien se passer. Bon, en tout cas, encore une fois, j'ai adoré, les amis, cet épisode. J'étais pas prêt à tout ça. Clairement, j'étais pas prêt. En tout cas, dites-moi voilà, dans les commentaires si vous avez encore une fois adoré cet épisode. Mais en tout cas, si la vidéo elle vous a plu, les amis, n'hésitez surtout pas encore une fois à vous abonner. Je compte vraiment sur vous à vous abonner un maximum, les amis. Surtout, pensez au like, c'est la récompense, à partager la chaîne. Voilà, mettre un petit commentaire, surtout activer la cloche, c'est très important. Et on se retrouve très prochainement pour la suite du Let's Play sur The Squarry. Et prochain épisode, les amis, ça va être encore une fois incroyable. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui nous attend, mais on va découvrir tout ça ensemble, mais dans le prochain épisode. Du coup, prochain épisode, chapitre 7, les amis. On avance, mine de rien, on avance plutôt pas mal. L'histoire est incroyable. Et comme vous l'avez compris, j'adore ce jeu. J'adore. Franchement, c'est vraiment une pépite. Donc voilà les amis, restez branchés, c'est très important et on se retrouve très prochainement pour la suite du Let's Play. Prenez très soin de vous, très important. C'était KalizorXTV, allez, bye bye, bye bye, bye.